Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques de l'élevage. J'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pisciculture. Comment il est très facile pour vous de faire la pisciculture. Il faut forcément aller dans des creusets, des marécages ou forcément faire ça dans des bacs bétonnés. Vous devez savoir que la pisciculture de nos jours peut se faire à domicile, dans des puits bitonnés ou des fûts. C'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter la pisciculture à domicile. Donc dans cette petite vidéo, aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une jeune dame qui a décidé de se lancer dans cette activité comme seconde source de revenus. Et vous devez aussi savoir que le Cameroun dépense en moyenne 10 milliards par an pour l'importation des poissons. Donc, raison pour laquelle il faudrait que chaque Camerounais puisse penser déjà à la production de son propre poisson. Et d'ailleurs aussi, lorsqu'on importe même ces poissons, généralement qui sont décongelés, ça arrive parfois dans des très mauvaises conditions. Et généralement aussi, on a beaucoup de poissons qui arrivent déjà en état de décomposition. Raison pour laquelle nous vous interpellons à produire, à consommer bio. Vous pouvez produire votre propre poisson à domicile. Et d'ailleurs, l'avantage que vous avez en produisant vos poissons à domicile, c'est que ça ne demande pas un très grand coût. Vous n'avez pas besoin d'une très grande surface. Vous n'avez pas besoin d'un très gros investissement. Et lorsque vous vous lancez dans l'élevage de poissons, comme nous avons publié dernièrement sur notre page Facebook, que la meilleure façon de se lancer dans l'élevage de poissons, c'est de manière plus simple, c'est de faire dans le grossissement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une closerie, de produire vos propres alevins pour vous lancer dans cette activité. Même en vous lançant uniquement dans le grossissement de poissons, qui consiste tout simplement à aller acheter les alevins, les engrais, faire le grossissement pendant 4 à 5 mois et les mettre sur le marché, vous pouvez facilement trouver votre compte. Donc, nous allons vous présenter la pisciculture à domicile et dans les fûts. Aujourd'hui, nous sommes chez Madame Takougoum Vanel. Bref, elle va se présenter elle-même et ensemble, on va échanger. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Oui, vous êtes en activité là. Déjà, beaucoup de courage et félicitations pour votre activité. Merci, merci. Voilà. Nous allons un peu échanger. Vous allez un peu nous dire comment ça se passe ici chez vous. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité? Vous pouvez vous rapprocher. Oui, déjà, l'élevage de poissons a toujours été une passion pour moi. Déjà qu'en grandissant, mon oncle, il faisait déjà ça un peu, mais de façon archaïque. Et au début, c'était juste même pour la décoration, mais avec le temps, j'ai vu que vraiment ça me passionne et que vraiment je peux me lancer dedans. Oui. C'est pourquoi ça que j'ai commencé à vouloir un peu intensifier. Bon, et ici, vous avez débuté avec combien? Oui, au début, j'ai commencé avec 150 à levain. 150 à levain de 10 grammes. Un ami qui fait dans les poissons, je suis allé vers lui et je lui ai dit, vraiment, je veux élever les poissons. Il a dit, oui, tu peux élever, pourquoi ne pas? Il a dit, d'accord, on commence avec combien? Il a dit, prends même 50. J'ai dit, bon, je veux commencer avec 150. Oui. Donc j'ai pris le risque. Et les 150 avelons coûtaient combien? Oui, j'ai pris la levain à 100 francs. 100 francs. Donc les 150 levains m'ont coûté 15 000. 15 000. Avec livraison. Avec livraison. Oui, il est venu me donner ici à la maison. Oui, et pour l'installation, le fût? Oui, au début, quand j'ai pris les 150 levains, je l'ai repris pour mettre ici dedans. J'avais seulement ce bac-ci-là comme mon fût de réserve d'eau à la maison. Oui. Vu que j'avais de l'eau à tout moment, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas exploiter le fût? Je leur ai mis à l'intérieur, donc quand je prends les alevins, ils sont encore tout petits. Ils sont à 10 grammes, donc je vais un peu vous montrer un aperçu. C'est vrai que là, ils dépassent déjà 10 grammes, oui. Mais avec le calibrage, on a toujours quand même certains. Vous savez, en élevage, il y a ce qu'on appelle le cannibalisme. Donc, il y en a qui grandissent plus rapidement que les autres. Donc quand je prends les alevins, ils ont pratiquement cette taille-là. Oui. Ils ont pratiquement cette taille. Oui. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, on les calibre. Et c'est au fur et à mesure que j'ai acheté les bacs pour continuer. Donc, à chaque étape de calibrage, on a les différents gabarits. Donc, si je comprends bien, vous avez débuté avec... Si vous avez acheté les alevins à 150 000 et que le fût à 15 000, à 15 000 et que le fût c'est 12 000, oui. Et l'aliment, ça se passe comment? Oui, pour commencer, au début, j'avais pris un sac d'aliments de 15 oui. 000. Oui, l'aliment flottant. L'aliment flottant, oui. Oui. L'aliment flottant. J'ai pris un sac d'aliments. Et je savais qu'il m'a dit que ça devait pouvoir tenir pour un bon bout, vu que l'effectif n'était pas assez, oui. assez grand.
Si un seul aliment, 15 000, vous avez 150 aliments, ils ont consommé ça en combien de temps? Ils ont consommé en 2 mois. En deux parce mois. Que quand ils sont petits, ils consomment assez de façon oui. pas très considérable. Donc si je comprends bien, vous avez débuté votre activité avec moins de 100 000. Oui, j'ai commencé mon activité avec moins de 100 000. Oui. Parce que j'avais déjà le fût, j'ai acheté seulement l'aliment, les alevins et une vitamine qu'il a donnée pour booster leur appétit dès leur arrivée. Oui, et au niveau du suivi, ça se passe comment? Puisque généralement, plusieurs personnes disaient qu'il faut forcément faire l'élevage de poissons dans des étangs, dans des bacs bétonnés. Et si vous avez les fûts, la gestion, ça se passe comment? Bon, personnellement, ça c'est la gestion familiale. Donc, moi, je change l'eau des poissons 2 à 3 fois par semaine au plus. Oui. Donc, si je change jeudi, je vais encore changer peut-être lundi soir. Oui. Oui. Le but de changer chaque soir, le poisson peut tenir jusqu'à 5 jours dans le même eau, oui. dans la même eau, mais vu que nous sommes en cité et qu'il y a les voisins, il ne faudrait pas laisser l'eau longtemps parce que ça va dégager et ça pourrait nuire aux voisins. Oui. Donc, pour éviter tout désagrément, oui. pour la bonne santé aussi des poissons oui. et le bien-être de la maison même, mm-hmm. on change l'eau 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Pour rester dans la propriété. Ok. Et au niveau des médicaments, ça se passe comment? Bon, l'élevage le suivi, la prophylaxie, oui, tout ça. Oui, la prophylaxie des poissons, silus, est vraiment très simple. Oui. C'est une des choses qui est aussi très captivante. Oui. Par rapport aux silus, ils n'ont pas de problème. Si vous leur changez leur eau tous les 2-3 jours, comme j'étais en train de l'expliquer, oui. ils seront toujours en bonne santé. Vous aurez juste parfois besoin juste des vitamines pour booster leur appétit. Parce oui. que comme vous voyez, je suis en train de faire juste dans le grossissement. Donc, mon objectif est de produire la chair. Oui. La chair qui est destinée à la commercialisation ou bien pour la consommation familiale. Donc, j'ai juste besoin des vitamines au trop 2 fois par mois ou 1 fois qui boostent leur appétit et qui fait qu'ils mangent beaucoup pour gagner en poids rapidement. Oui, et au niveau de la commercialisation, ça se passe comment? Vous produisez, vous les commercialisez comment? Vous produisez pour quoi d'abord? Parce que généralement, le plus dur n'est pas de produire, le plus dur aussi, c'est de produire pour vendre. Vous vous lancez dans ça, c'était pour un marché, c'est pourquoi? Non, mon premier objectif qui m'a poussé à me lancer dans cette activité, c'est d'abord pour ma consommation, pour ma consommation personnelle. Oui. Oui. Parce que avec la rareté des poissons silus sur le marché, quand vous voulez manger le poisson silus, soit vous trouvez du temps pour trouver où vous en procurer, soit vous trouvez à un taux assez exorbitant. Oui. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas lancer le mien et puis à chaque fois que j'ai besoin du poisson, je pêche tout simplement. Oui, donc ce qui veut dire, lorsque vous avez un invité à la maison, vous nous faites du poisson frais. Oui, c'est ça qui fait vraiment la fierté dans ça. Oui. Parce que quand j'ai un invité ou bien quand j'ai quelqu'un qui va me rendre visite, moi, quand il arrive, je lui propose, je dis voilà les poissons, si tu veux on te fait le poisson, si tu veux on te fait le poulet, ou bien si tu veux on peut acheter le poisson. Mais le fait qu'il voit le poisson vivant et il a la possibilité lui-même de pêcher son propre poisson et puis vous lui faites, c'est un régal et c'est ce qui donne vraiment un coup de pouce, c'est ce qui encourage aussi. Oui, et donc si je comprends bien, vous ne commercialisez pas encore vos poissons? Pour le moment, les commandes ne sont pas intenses et ça fait du bien. Parce que quand quelqu'un a besoin du poisson silure, il me demande au moins 1 semaine ou 2 avant. Il oui. me dit, bon, j'aurais besoin des poissons. Je ne sais pas si tu peux me trouver 3 ou 5 kilos. Ça me permet maintenant de lui rassurer, oui, je pourrais en avoir à la date dont vous avez besoin. Et les clients sont assez satisfaits. Ceux oui. qui ont déjà pris sont assez satisfaits. Et la qualité du poisson, la oui. qualité vraiment, il est meilleur. Et vous laissez le kilogramme à combien? Le kilogramme à 2500. Vu que moi, j'élève à la maison, à 2300, 2500, moi, je m'en sors. Donc, oui. le prix varie entre 2300 et 2500 selon le kilogramme, le nombre de kilogrammes que le client prend. Ok. Donc, si je comprends bien, vous vous en sortez dans cette activité? Oui, je m'en sors plutôt bien. Et ça me motive à économiser plus et à intensifier dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Ah oui. Donc l'idée est d'intensifier parce que visiblement, c'est une activité assez relaxe, pas très compliquée. C'est vrai qu'en élevage, il y a toujours le taux de mortalité qui existe, mais on ne peut pas dire que le taux de mortalité ici est assez considérable parce que la prophylaxie, le mode d'hygiène, c'est assez respecté et tout va bien pour le moment, pas de plaintes. Pas de plaintes. Ok, merci beaucoup. Bon, et si maintenant vous avez un conseil
à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans cette activité, à ceux qui aimeraient suivre vos pas, ou aux jeunes femmes qui sont à la maison comme vous? Que pourriez-vous leur dire? Bon, comme conseil, ce que je peux dire, en toute chose, il faut tout simplement commencer. Oui. Il faut tout simplement commencer. Au début, quand j'aspirais même à ceci, d'aucuns me disaient, ah, tu vas faire comment? Ça ne va pas donner. Est-ce qu'on élève les poissons dans le feu? Est-ce qu'on élève le poisson dans le feu? Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on élève le poisson dans le feu? Ça va donner quoi? Tu vas d'abord prendre l'eau où? Bon, déjà que j'ai l'eau de forage ici, qui est l'eau adéquate pour l'élevage des poissons, de l'élevage dans l'ensemble. Ça n'a pas été facile au début. C'est vrai que quand j'ai pris au début, le stress qui en, il ne mangeait pas et tout, ça dérangeait. Mais au fil du temps, je me suis adaptée. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui à quiconque veut se lancer en élevage, surtout l'élevage des poissons à domicile, c'est assez facile, c'est assez simple. Commencez. Mmh. Commencez tout simplement et le reste va suivre. Ok. Bon. Merci. Hein. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Pour ce qui est de l'alimentation, moi je leur donne des aliments flottants, comme vous pouvez le voir, car avec cet aliment, ils mangent plus facilement. Et puis quand il y a les résidus, on retire aussi facilement pour éviter que l'eau reste souillée, qui peut aussi impacter sur leur alimentation. Voilà. Par rapport au suivi, moi je me lève chaque matin, je vérifie, le jour que j'ai changé l'eau, je change l'eau, je la laisse se reposer. Je la laisse reposer et après, je viens, je les nourris, je pars au travail. Le soir, maintenant, quand je rentre, je fais la même chose. Je les contrôle, je les alimente. Et puis, vous savez, je prends la peine moi-même de le faire, hein, parce que personne ne peut suivre ton activité comme toi-même. Du coup, c'est pourquoi je prends la peine. Ça ne prend pas assez de temps. Autre 30 minutes par chaque matin et chaque soir, j'ai déjà fini avec les poissons. Et puis... Un suivi assez simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon chien de garde. Donc, pour ce qui est de comment tu fais pour dormir et la laisser dehors, non. J'ai mon chien là. Viens là. Tiens. Viens là. J'ai mon chien, Pipo, qui assure la garde des poissons. Donc, concernant l'élevage des poissons à domicile, je vous encourage vraiment. Lancez-vous. Commencez et puis... Ce sera un régal de continuer. Lorsqu'on alimente, vous les alimentez pendant qu'ils mangent. Dès qu'ils arrêtent de manger, vous arrêtez de nourrir. Parce que le poisson, lui, ne mange pas beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que mon expérience va motiver plus d'une ou plus d'un et que chacun va se lancer dans sa petite activité. Il est important pour tout un chacun d'avoir une seconde source de revenus. C'est le mien ici et je vous encourage de vous lancer soit dans ce domaine, soit quelque part, mais commencez. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion. Une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.